Au galop, Ablette. Ouh. Oh. Putain. Et regardez, vous mettez les pieds. On l'a encore trouvé un hier. Vider de son sang comme il est. Cheveux blancs. Un petit coup d'œil sur mes marchandises. Des yeux de chat. Deux pintes, et que ça saute. Enfin, mon bon monsieur, un peu de courtoisie. Alors là, je lève les yeux, et voilà qui descend à demi-tonne lait, cul sec. Gérald, par ici. Hé, Grison, t'as une tête à tenir la boisson. Merci, une autre fois peut-être. Allez, quoi, sois sympa. C'est ma tournée. Frimeur. Bien sûr. Et pourquoi pas? Le temps est un jouet merveilleux. Et un ingrédient de choix pour le pain d'épices. Tiens, tiens, quelqu'un d'attentif. En effet, il m'arrive de trouver à la manipulation du temps un attrait irrésistible. Son contrôle est si riche de possibilités. Ajouter un truc immonde dans la soupe des gens détestables, par exemple. Et qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Je tenais à vous féliciter. Excellent travail avec Holgerd. Vous avez presque épongé votre dette. J'étais censé exaucer ces trois souhaits, c'est fait. À votre tour d'ôter la marque, nous sommes quittes. Presque. Pour remplir les termes du contrat à la lettre, il reste une dernière chose. Attirer Holgerd au temple de l'île Vanille. Première nouvelle? Pas du tout. Ne faites pas l'innocent. Les contrats contiennent toujours une clause cachée, en petit caractère, certes, mais qui change néanmoins la nature du pacte. Cela vaut aussi pour les contrats verbaux. Rappelez-vous mes propos. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les trois pour nous remercier de ce voyage. Fin de citation. Oui, je me souviens. Si vous remplissez votre part du marché, je ferai disparaître la marque. C'était la dernière fois que tu m'interrompais quand je parle à quelqu'un.
c'est que ça? Une mouche dans ma soupe? Je t'attendais, mais je t'ai pas vu arriver. Comment t'as fait pour rentrer sans que je te voie? Je suis sorceleur. La vitesse surhumaine est l'un de mes nombreux talents. La mouche dans ma soupe, c'est toi? Non. Bon, écoute avec attention. Dis à ton chef de venir au temple de l'île Vani, au sud d'ici. On y entre par une caverne. Qu'est-ce qui se passe ici? Le temple de l'île Vani, tu as compris? Ouais, pigé. Une seconde. Ton amie, la Toubib, elle s'est pointée, en demandant que tu cherches après elle. Merci. Vous avez vu ça? Le bougre est tombé raide mort. Toi aussi. Bourré, surtout. Ah, c'est peut-être un malaise. Malaise? Il pisse le centre. Avec un sorceleur. Impressionnant. C'était les funérailles de Horse de Pierre. Oui. Putain. Des types comme vous, ça répand le défaitisme. Retourne sur ton prochain verre. Oh, Ablet. Là, au bas. Allez.
Drôle d'endroit pour se retrouver. Motivé par une raison précise ? Ce n'est pas moi qui ai choisi. Je m'en doutais. Enfin. J'imagine que vous avez du nouveau à m'apprendre. Le troisième vœu est exaucé. Comment savoir si c'est bien la rose? Si ça se trouve, elle était sur un étal d'Oxenfurt il n'y a pas une heure. Regardez de plus près. Je l'ai eu auprès d'Iris. C'était la dernière chose qui la reliait à ce monde. Quoi? Je crois qu'elle vous aimait. Selon moi, c'est un gage d'amour. Elle m'aimait. Après tout ce qui s'est passé. Iris, quel gâchis nous avons fait. Si j'avais su comment cela allait finir. Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'on m'enfonce un tisonnier dans la poitrine. Navré de vous avoir fait le tort. Je veux le voir que tout le monde a pu venir. Comment ça va? Un peu moins oppressé, le cœur plus léger. Gaunter. Que voulez-vous? Comment ça, que voulez-vous? Mais votre âme, voyons. Vous oubliez une chose. Le pacte stipule que pour l'avoir, vous devez exaucer mes trois vœux, et... Et vous retrouver sur la lune. Et voilà le travail. Nous avions un pacte. La lune est là-haut. Là. Pas ici. J'ai exaucé vos vœux. Ici. Sur la lune. À vous d'acquitter votre... Sale fils. Pute. Vous avez triché. Je ne triche jamais. C'est fini. Oh ah, on va partir. Fait. À la prochaine. Ce fut un plaisir de traiter avec vous. Et la marque, vous l'enlevez? Ah, bien sûr. Voilà. Maintenant, dites-moi, quelle récompense avez-vous choisi? Je veux être rapide. Que personne ne puisse me rattraper. Intéressant. J'ai ce qu'il vous faut, je crois. Tenez. Avec ceci, votre cheval ira aussi vite que le vent. Et maintenant, en quête d'un autre pigeon? Je n'ai encore rien décidé. Mais je sais que les sorceleurs font d'excellents agents de recouvrement.